Et bonjour tout le monde, c'est Ryu. On se retrouve pour le troisième épisode dans Let's Play sur Super Metroid, sur Metroid Fusion. Dans l'épisode précédent, on a commencé par un petit fail pour se rappeler mon souvenir. Ensuite, on s'est baladé dans les diverses zones. On n'a pas encore rencontré notre double de Samus, mais ça ne devrait pas tarder. On a récupéré la petite bombe comme ça, et voilà. On explore la map. Alors comme je sais pas où aller, on y va à tâtons. Alors, là, il y a un truc aussi. Oh, c'est sûr que au-dessus, il y a des trucs. Ok. Mais ouais, j'ai. Bah, comment je fais pour. Ah, j'allais dire. Ok, il doit y avoir un. Non, il doit y avoir un. J'allais dire, il doit y avoir un trou, mais non. Donc, je dois avoir un truc qui me refait tomber quelque part. Ou non, faut que je grimpe là. Oh, il m'embête lui avec ses pics. Mais ouais, j'ai un paquet de ROM. Après, c'est pas pour autant que je vais jouer, mais. Que je vais jouer à tout, du moins. Par contre, comment je fais pour m'en aller d'ici, moi? Ça aurait été plus simple comme ça. Ok. Hop, hop. Mais par contre, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut que je tue tout le monde? Est-ce qu'il y a peut-être un pilier caché? À un moment donné, il doit bien y avoir un truc quelque part où je peux passer. Ryu, ouvre tes yeux. J'ai dû rater un truc. Mais quoi? Ça faisait longtemps que j'avais pas raté un truc comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Oh, ça va être peut-être là-dessous. Aïe. Formidable. Bien joué, Ryu. Une heure après, t'as trouvé une porte.
Alors, comment on le touche, lui? Ah, ok, je pense que quand il saute, faut lui tirer un missile dans la bouche. Ok, c'est ça. Aïe. Ah, il m'a feinté. Un, deux. Ah, oh, non, bon, on s'en va. Des fois, il fait deux au bout de deux et. Bah merci Zero Gamer pour le raid, bienvenue à toi et tes viewers. Welcome everyone. Oh non Ryu, allez concentre-toi un petit peu. Ah. Oh. Oh mais Ryu, allez, 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 allez. Ryu, il faut viser le trou. Ok, il reste plus grand chose. Mais Ryu, allez! Ah, je sens que je vais mourir, il me reste plus de vie. Il ne me reste plus de vie. Non, non. Merci. Merci de me redonner de la vie. Aïe. Eh bah dis donc. Méga saut et boule de saut restaurée. Eh bah dis donc, j'étais pas loin de la mort. Alors. Est-ce qu'on a un truc? Ok, ça c'est bon. bonjour, El Greenfire. Oui, exactement, c'est une chaîne française. I don't know if you speak French, but yeah, it's a French channel. It's a French stream, but everyone is welcome here. Megaso. Ok. Where do you from? D'où est-ce que vous venez? Je sais. I don't know if you are English, French, Spanish or another countries, but welcome everyone. Pop-up. Donc oui, là je peux remonter au point de sauvegarde. Hola con... Hola todos. No hablo muy bien español.
J'ai de toutes les nationalités ce soir, des gens du Panama, c'est incroyable. Bonjour à tous, en tout cas, merci. Gracias a todos. Merci SR Explosiones pour le follow. Comment on dit ça? Attends, j'essaye de me souvenir de mes vieilles leçons d'espagnol, mais c'est pas toujours facile. Oh, il serait bien passé par là le Metroid. Bah. Oh. Coucou Samus. Alors des fois elle casse toute la porte et des fois non. Mais Soy Frances. C'était muy agradable parmi ah sorry for my Spanish but I can't désolé pour mon espagnol mais j'arrive pas à parler déjà en français c'est pas facile en anglais non plus en espagnol ça fait 20 ans que je l'avais pas fait presque. Mais c'est sympa, merci beaucoup. On va aller par là, on n'a pas encore visité. On cherchait un point de sauvegarde à un moment donné, il y en a un là. En fait, c'est tellement dommage des moments où on apprend énormément de choses à l'école et enfin, les langues, surtout les langues étrangères, on apprend ça et puis on les perd très rapidement. On perd très rapidement ce qu'on a appris. Bah donc il faut que je monte, hein. Ok, that's a good information. You can translate for your other teammate. I have learned some Spanish at school, but I forgot everything. Oh, est-ce que je pourrais... Je pense pas que ce soit le bon chemin de passer dans l'eau, mais... Bon, je pense qu'il va falloir qu'on fasse baisser le niveau de l'eau. I think you are... you are fans of the Metroid license. Ok, les bébêtes font que maintenant ça me fait des marches. Ok. Can you thanks for me, Zero Gamer, for the raid, please? If you don't speak English, it's I can't tell
tell thanks for his raid. Ok, ça attaque. Tac. Ok. Mais ouais, c'est cool d'avoir des gens de toutes les... En fait, là-dessus, les Twitch, YouTube, etc., c'est assez incroyable. Ça permet à des gens de nationalités différentes de se retrouver juste sur des jeux qu'on aime. Oh, just a big thanks. It's really cool to have someone who rates me. Allez. Oh, est-ce que... Bon, prenons notre temps. Allez, et de 1. Non. Allez. Oh. Je vais pas rester bloqué juste sur un saut. Ok. Donc maintenant. Pop. Par contre, je suis en train de me dire qu'il y a une zone que j'ai pas explorée. Même deux zones que j'ai pas explorées. Ah ouais, non, il y avait des portes, mais je pouvais pas y aller. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, je ne sais plus pourquoi j'y suis pas allé. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va remonter au point là-haut. J'ai peut-être raté des missiles ou des choses comme ça. Ah, par contre. Non, de l'autre côté, c'est mieux. Je suis en train de réfléchir par où il faut que je passe. I just search my my road. Ok. Ça, c'est pas très grave. Ça, c'est pas très grave. Ok, ça, c'est cool. Sauvegarder les données avec plaisir. Sauvegarde terminée. Qu'est-ce que l'ordinateur va nous dire? Samus, nous avons des ennuis. Nous n'aurions pas dû ouvrir le verrou de sûreté. Le SAX et des milliers de X se sont infiltrés dans les eaux du secteur 4 à quoi? Le SAX a pénétré la zone via les portes bleues clignotantes. L'environnement du secteur 4 révèle déjà divers dysfonctionnements. Une enquête est en cours. Je t'en dirai davantage dans le terminal de cartes. As-tu compris ta mission? Ouais, allez au terminal, enfin à la zone secteur 4. Voilà. Fonce au secteur 4. Le SAX a un adversaire doté de toutes mes capacités. Est-il doué de raison? J'en doute. Ce n'est qu'une machine à tuer que je ne peux pas affronter. Le SAX est ma copie artificielle. Je dois l'arrêter avant qu'il ne devienne une menace pour l'univers. Secteur 4, c'est à côté. Terminal de carte.
Ok. Les dégâts dans ce secteur dépassent nos prévisions. J'ai sous-estimé la force et le pouvoir des destructeurs des X. Il semble avoir un objectif. Nous devons admettre que le SAX a peut-être un quotient intellectuel très élevé. Je trouve les X fascinants, en particulier ce SAX. Je m'égare. Dans ce secteur vit un monstre énorme que les chercheurs ont appelé Saïs. Ce monstre avance et attaque à une vitesse supersonique. Toute destruction massive et inutile dans cette zone est en général causée par Saïs. Le SAX l'a libéré, mais je ne sais pas encore pourquoi. Saïs retourne souvent dans les zones d'élevage. Et suit sûrement son instinct et y retourne régulièrement. C'est une créature précieuse, mais tu dois la détruire pour éviter qu'elle n'envahisse d'autres secteurs. As-tu compris ta mission? Oui, détruire le monstre. Ok. Circule avec prudence, des câbles électriques rompus ont rendu les eaux impraticables. Mais attention, si tu coupes le courant dans toute la station risque d'être endommagée. Au contact de l'eau, tu seras électrocuté. Pense à te recharger. Ok, ça va pas être une partie de plaisir en gros cette zone-là. Gracias, Greenfire. Thanks, have a good evening too. Thanks for the raid to your teammate. And I hope you will have a great day. Thanks again and maybe see you later. Unité de recharge, on est à fond. Alors, on va essayer d'éviter de tomber dans l'eau. Enfin, on va déjà essayer de. Alors, là, il y a une. Ah, j'allais dire une petite salle. Ouais. On va aller par là. Par contre, si j'y retourne, ok. Donc lui, il veut pas de moi par ici. Donc on devra en revenir plus tard. Gracias para el follow. Bon, du coup, il va falloir que je retravaille mon espagnol pour le prochain stream. Ok, bon, c'est pas la bonne zone, on peut pas encore y aller. Oh, Ryu, réveille-toi. Dire qu'il peut poser ses questions s'il veut hein. Après
il peut écrire en espagnol dans le chat et j'essaierai de répondre. Prochain stream sur Metroid, ce sera vendredi en fin d'après-midi. Ça a été un plaisir pour moi aussi. J'essaierai de retravailler mon espagnol pour la prochaine fois pour pouvoir discuter plus facilement avec vous. Oh, le coup de chance, je me suis dit, tiens, je peux. Aïe. Ok, des missiles de plus. Gracias, Zero Gamer, par El Follow. Allez. Hop, hop. Est-ce que je vais en dessous, enfin au-dessus, je veux dire. Je suis sûr qu'il y a un truc par là, c'est obligé. C'est forcément le bon chemin. J'ai dû rater un truc dans la zone des missiles. C'est forcément le bon chemin. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre à faire. À moins que. Non, j'ai peut-être raté un truc.
Ok. Au final, j'avais peut-être pas raté de trucs, mais. Et bah bon, on n'aura pas été très efficace dans cet épisode-là, mais on va s'arrêter là pour cet épisode YouTube. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de Metroid Fusion. Et donc bah, d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!